ceux qui ne sont pas pris, qui n'ont pas de prix, ne vous en faites pas, parce que moi j'ai pas eu beaucoup de prix dans ma vie et c'est pas très grave. Voilà. Je voudrais également vous dire qu'on est fiers, nous, depuis 7 ans, de gérer ce festival, de voir comment il a grandi. Tout ne s'arrête pas ce soir, c'est même plutôt le début. Alors, le prix du public, je suis enchanté. Réalisé par Léo Paget. On est le collectif OA, en fait, on est 15 comédiens à l'origine. La première chose qu'on s'est demandé, c'est dans quelle mesure on allait pouvoir faire quelque chose d'original pour vraiment se démarquer. Et puis l'idée est venue de faire un film historique. Un des thèmes qui est ressorti, c'était la dénonciation. On s'est dit que c'était à la fois quelque chose de très intéressant, très fort, et qui était, de près ou de loin, tout un petit peu actuel. Et quand Laure nous a sorti cette histoire avec la lettre de dénonciation, on s'est dit c'est parfait, la lettre c'est vraiment un très très bon format. Pour 2 minutes 20, on va pouvoir vraiment en plus jouer sur le son, l'image, faire du cinéma quoi. Le prix est attribué à Je suis une date. C'est un coin de Paris que je connais très bien. Donc je suis allé au collège, lycée, école, en fait à 10 mètres du lieu où ça s'est passé. Donc qui est un lieu évidemment de mon enfance. Et puis de beaucoup de Parisiens de l'Est, enfin de l'Est de Paris. On est beaucoup à avoir été touchés par cette histoire et moi très fortement. Et c'est des histoires qui sont passées, qui existent encore aujourd'hui grâce à ce court-métrage. C'est très compliqué de délibérer, mais bon. On a eu un coup de cœur et notre coup de cœur, c'est celui-ci. Je suis à l'endroit. Donc de Florence Fauquet et Émilie de Montsaber. Vous êtes venu me voir en me disant, tiens, si on faisait le festival Nikon, ça te dit de faire le film avec moi? Bah ouais, et puis on n'aurait jamais imaginé une seconde que ça nous aurait amené ici, quoi. Enfin voilà, avec ce prix de la mise en scène. Bah, c'était un challenge, c'est-à-dire que on démarrait la prise de vue à partir de ce qui était censé être la fin du plan, donc la fin de l'histoire. Donc Florence commençait par pleurer, puis elle faisait toute sa chorégraphie à l'envers. Les autres acteurs étaient à l'endroit. On est folle de bonheur. Je suis branché. De Sophie Martin et William K. Tout le monde voulait raconter des histoires sur une rencontre, et c'est vrai que le futur nous a, on va dire, intéressés et motivés. On est parti sur différentes idées, c'est celle-ci qui a pris. Je trouve que le festival est vraiment mortel parce que ça permet de... Moi, c'était ma première fiction et du coup, ça permet de réaliser des idées qu'on a en tête, ça permet de se donner une première expérience, ça permet de s'exprimer quoi qu'il arrive. Et donc on est tous un peu gagnants là-dessus et voilà. Moi, je trouve le niveau vraiment balèze quoi. Et beaucoup de femmes réales aussi, si je puis me permettre. Bah donc le prix, c'est la rencontre la plus rigolote, la plus improbable, c'est Je suis une biche. En fait, c'est parti de Sanda, qui est ma meilleure amie ici, et qui m'envoie beaucoup de snaps de biche. Et un jour, je lui ai dit, Sanda, tu vas rester bloquée. Les effets spéciaux, on s'est dit, mais on ne savait même pas si c'était possible. Après, on a eu toutes les contraintes techniques par rapport au fait, par exemple, qu'il ne fallait pas tourner la tête, parce que pour le tracking, il faut rester. Donc tout ça, on l'a appris au fur et à mesure. Quand je cours à la dernière scène et qu'il arrive, je ne peux pas faire « machin », donc je fais genre « je marche ». J'ai rejoué une petite scène du film. En fait, il y a d'autres filtres dans Snapchat, donc du coup, là, on va faire « je suis une grosse tête ». Avec une voix d'hélium. Je voudrais vraiment remercier Cédric. Cédric Labiche. Non, Clapiche. C'est une petite blague. Et la mention spéciale du jury est attribuée à Je suis célibataire, réalisé par Emmanuel Fourreau. C'est un film où dans le début, il y a vraiment des longueurs. Et je trouve que c'est un privilège absolu d'avoir des longueurs dans un film de 140 secondes. Donc je trouve que rien que pour ça, vous méritez un prix. C'était une volonté, effectivement, d'être avec le rythme de personnes âgées, un peu plus lent que le nôtre. Et de montrer aussi que peut-être ils étaient lents, mais c'est assez bon côté, puisque en fait pour moi ça leur permet aussi de prendre le temps de se rencontrer, d'échanger des regards, d'avoir des attentions pour l'autre, des gestes, de la délicatesse, en contraste un peu avec le monde dans lequel on vit et qui va de plus en plus vite, et notamment le speed dating en fait montre ça pour moi. On va prendre très peu de temps pour dire d'aller moins vite. Le grand prix est attribué à Je suis ton meilleur ami. De David Chose et Ambroise Sabag. Donc c'est une immense surprise et puis on est très très heureux de
recevoir ce prix de, ouais. des mains de Cédric Lapiche. Parce qu'en fait, on est deux acteurs et on voulait que Cédric, on voulait que Cédric Lapiche nous voit sur grand écran. Quoi. C'était aussi ça le truc, faut dire. Non, mais on Alors, est. Il n'y a pas que ça, je rigole, mais pour nous, c'est un. Enfin, non, mais on est. Ça fait, on est... Ça fait 10 ans qu'on. Voilà. Ah, c'est bueno, bueno, super bueno. Non, le grand prix du jury. Le kiff d'entendre le grand prix du jury. Non, pour nous, c'est une surprise de fou. C'est un petit film. On était 5 dans une chambre de bonne à le faire. Et c'est juste énorme, quoi. Il y a eu des très bons films cette année, des mises en scène de ouf. Nous, on a joué notre carte. Et apparemment, ça a plu. Enfin, du moins au jury, et c'est super, quoi. On est hyper heureux. Cédric Lapiche qui nous donne ce prix, on peut mourir tranquille. Par contre, excuse-moi, il est presque la nuit. Tu veux qu'on passe sur une deuxième heure ou pas? Je trouve que c'est plutôt joli de se dire que vous avez fait des films, il y a des choses qui existent, et c'est ça la grande réussite. Donc encore une fois, c'est pas les prix qui comptent, c'est le fait de l'avoir fait. Merci beaucoup. Encore une fois, je vous invite à continuer à partager vos créations, à faire vivre vos films, et puis on se revoit l'année prochaine avec grand plaisir à partir du 1er juillet pour le nouveau thème.